Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et coup d'envoi de ce match. Un long ballon pour filer droit au but. Marega. Il est passé. Allez au bout. Énorme occasion. Et le gardien est présent. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ce sera le premier corner du match. Marega. C'est dégagé. Jesus Corona. Il frappe au but. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Ivan Marcano. Danilo Pereira. Jesus Corona. Jesus Corona. Qui cherche à construire. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Tiquinho. Tiquinho. C'est repoussé. Long ballon dans le sens du jeu. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. L'interception au bon moment. Otavinho. Le ballon dans la profondeur. Oh, il faut frapper. Attends. Allez, c'est dangereux. Renvoyé par le poteau. Bien repoussé par le gardien. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Ça joue long vers l'avant. Il joue sur sa gauche. C'est joué dans l'espace. Un ballon devant la cage. Passe interceptée. C'est joué long. Tiquinho. En retrait vers son gardien. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et c'est reparti. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Tiquinho. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer.
De là où il est placé, il peut frapper directement. L'occasion d'ouvrir le score. Il tente sa chance. Marega. Il cherche son coéquipier. La faute est sifflée. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Quelle passe. C'est reparti, ils peuvent contrer. La passe dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Oh, c'est chaud. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Il ne lâche rien, même loin de leur but. Oh, Pépé. Pep, il file droit au but. Ouf, un peu d'air. Il est bien placé. C'est une occasion, ça. Ça rentre. Oh, voilà enfin le but qu'on attendait. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Et ça fait donc 1-0. Ils sont devant au score, mais il reste encore pas mal de temps dans ce match. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il cherche la profondeur. Marega, le centre. C'est bien. Il va frapper. Oh, le but. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Tout est magnifique dans ce but. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Porto vient peut-être de se mettre à l'abri. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Marega dans la profondeur. Le long dégagement du gardien. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Dans la profondeur, bien vu. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. C'est joué long, attention. 4 grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. Otavinho. Ça peut être extrêmement dangereux. Et l'arbitre siffle la fin du match. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie.